pas très très fan. Moi je kiffe bien comme alcool bizarre, c'est le ratafia pour ceux qui connaissent. C'est ça la Bretagne là, non? Allez, eh, au pif les mecs. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Regardez bien. Regardez bien à quoi ça ressemble la Bretagne. Attention, attention, voilà maintenant. Oh, le premier truc, cousin. T'es sérieux, qu'est-ce que c'est? Ça veut rien dire, là, t'habites Neju, là. Eh, le destin, gros. Regarde, regarde-moi ces fils de pute de Shemtrai dans le ciel, là. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est, ça, dans le ciel, là? C'est très blanc, comme ça, là. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces quadrillages, comme ça, là? Est-ce que quelqu'un de sensé connaît ces trucs de fils de pute, là-haut, là? Au-dessus d'une église, en plus, là. Voilà, bienvenue en Bretagne, mec. Regarde, il se passe rien. Il se passe rien du tout. Nadio, t'es sérieux, là? Non, c'est pas du tout ça, néon bleu. C'est pas des avions qui balancent leur réservoir de carburant usagé. Même H1Z1, c'est moins vide, il a dit. Oh, le bâtard! Non, moi, c'est pas du tout ça. J'avoue, hey, même dans H1Z1, il y a plus de stuff, gros. Naiju, t'es sérieux, là? Regarde, Naiju, c'est qu'il habite. Même au sol, ça fait des croix, putain. T'es croyant, Nadju, ou quoi, là? Bon, allez, vas-y, vous faites les malins. Belle donation de Aztec. Pour faire du surf, salope, de balle. Non, non, gros, franchement, non. J'attends H1Z1, je suis pas chaud d'aller surf, là. C'est de la vapeur avec les réacteurs bandes de boulets. D'accord, ok. Donc, tu vas me dire que là, il y a 3 avions qui sont passés au même endroit, en Bretagne, ici. Et c'est la vapeur qui a fait des traînées comme ça sur des kilomètres. Ok. C'est toi qui nous dis boulet. Au bout d'un moment, réfléchis dans ta petite tête. Non? Essaye de réfléchir un peu. En plus, tu dis boulet, mais t'es sérieux ou quoi? Oh le bâtard. Vas-y, vas-y, on va regarder autre chose, les mecs. En Bretagne, toujours. Vas-y, casse-toi le truc là. Comment on fait? Allez! Allez, ta gueule là. Voilà, retour à la carte. Les Shemtrai, 7 geeks. Merci beaucoup, 7 geeks. C'est des Shemtrai, ça. C'est ça, c'est ce qui va nous tuer, les mecs, ça. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler de ça. On va regarder la Bretagne, les mecs. Où c'est que je vais? Là, ici, là. Allez, c'est parti. Attention. Oh, nice. Ok, Naiju. Oh, le paftard d'enculé qu'il a, Jean-Patrick! Bon, par contre, il a pas de piscine. Hein. Et tu vois, il y a pas de grillage, parce qu'ici, il y a pas de voleur. Il y a personne, les mecs. Encore une église. Naiju, il va falloir qu'on parle, tous les deux. Il va falloir qu'on parle, les mecs. Naiju, quoi. T'es mal, la vieille ferme agricole, là. T'es sérieux, là? Bon, la Bretagne, on oublie. Ça existe pas. Ça existe pas. Le Nord, il y en a un, il a dit le Nord. Vas-y, vas-y, on y va. On va là à Tourcoing. Tu connais Tourcoing, ma couille? Parce que là, c'est les vrais ch'tis, le beau, là, ouais. C'est les vrais ch'tis, ma couille. Vas-y, on va à Tourcoing, les mecs, au pif. Au pif à Tourcoing, on va regarder un peu à quoi ça ressemble. Est-ce que vous êtes chaud? Tiens, Playmobil, salut, gros. Attention, les mecs. Putain, je peux pas cliquer sur le truc, là. Il y a des bâtards, ils se sont connectés, là. Tourcoing. Oh, putain, je vais là. Non, mais c'est sérieux. Non, mais c'est sérieux. Arrêtez, les mecs. J'ai mis 3 fois... J'ai mis 3 fois au pif! Non mais attends, mais non.
merci beaucoup. Nouvelle donation de Aztec. Merde, j'ai mis 2 au lieu de 5, 600 Q3 balles. Il a compensé son donate. Merci beaucoup, bro. Merci beaucoup, my friend, for your 2 second donation. Yes. Ouais, donc voilà, j'ai mis deux fois au pif des trucs à Tourcoing, tout, des églises. Il y a des églises partout, bref. Ok, Tourcoing, c'est pas mal, Tourcoing. Au pain d'antan, tout ça. BMW, enfin, il y a de l'oseille à Tourcoing, les mecs. Hein. Il y a personne dans les rues, par contre. À mon avis, c'est ghetto ici. À mon avis, tu te marches, tu te fais voler ton sac, là, voilà. Oh, si, il y a une vieille ici, on va aller voir. Ah merde, c'est pas la même photo. Il fait jour, il faisait pas jour. Tout... Oh putain! Oh! Il y a Naiju qui est en train de rentrer de. Il y a Naiju qui rentre de l'école. Avec son frère Kitov 93. Tu le vois là? Et il y a Toxin 77, c'est la daronne ici là. Numéro 102, t'inquiète. Ok les mecs. Oh putain, regarde, il y a Pascal là. Tu le vois, Pascal? Parce que un star cool. Regarde, il fait des wheeling et tout, il s'en bat les couilles. Il a pas le temps, il fait des wheeling. Non mais attends, je comprends pas. Je suis en train de me rapprocher, mais le scooter il recule. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non? Regarde, je suis en train de me rapprocher là, mais le scooter il est au plus loin. À chaque fois, il s'éloigne. En fait, il est en marche arrière, le truc. Et voilà, bienvenue à Tourcoing. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde, c'est un putain de délire. Ah, ça, c'est Pascal, je le connais, gros. Je le connais, Pascal. Bon, on arrive sur la place du village de Tourcoing, les mecs. Vandame. Ouais, ça, c'est la daronne à Jean-Claude. Ah, tiens, un petit truc vite fait. Épicerie, kebab, fleuriste, à l'ancienne. Y a pas de problème. Ça déglingue ici, poteau. Franchement, c'est du lourd. Regarde Robert, il est en train de teaser normal en terrasse. Oh le bâtard! Oh le bâtard! T'es ma Jean-Patrick! Voilà, il y a de la chambre qui est présent. Avec le lion, tu connais? Et ça, c'est Chub Norris ici. Ça, c'est Chub sur le chat. C'est Chub Norris. La main dans le falzar et là, il se gratte un peu les couilles. Est-ce que tu le vois se gratter un peu les couilles? On peut plus zoomer. Bon, c'est pas grave. Voilà, les poubelles normales, la déchetterie, hein, Tourcoing, c'est tout ghetto. Théma, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bâtiment? Même dans H1Z1, ils sont plus stylés, les bâtiments désaffectés. C'est voilà, c'est de la merde. Ouh, nice! Alors ça, c'est nice, les mecs. Ça, je veux dire, la meuf typique de Tourcoing. Un sac de patates. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Non? La meuf typique de Tourcoing, voilà, un sac. C'est exactement pareil que ce qu'elle tient dans la main, c'est un sac. Il y a même une branche que tu peux loot, comme dans H1Z1, pour la bifler. Tu la bifles avec, tu prends la branche, tu lui fous dans le fion. Putain. Voilà, bon, on a tout vu, Tourcoing c'était énorme les mecs. Allez, on va où après là? Il y en a, elle a dit Dijon, on me casse les couilles avec Dijon. Mais Dijon, mais c'est... Non, c'est une belle ville Dijon, j'y suis, je connais, j'y suis allé. On va se mettre un peu plus haut, voilà. On se met ici. Et on check. Dijon, bonne Dijon. Attention. Il n'y a pas d'église. Berck sur mer, toi t'es un bon toi. Nouvelle donation de très exactement AW Case. FR, t'as oublié la WG, je crois. Merci pour la visite guidée de Tourcoing. Y a pas de problème, y a pas de problème. Ok. C'est ma maison, mais qu'est-ce qu'il dit de la chambre? Voilà, donc là on est où? On est à Dijon. Voilà, de la chambre. C'est pour ça que le mec il est sub, vous inquiétez pas. Il est sub, c'est pas pour rien. C'est une putain de ville de Bourges. Voilà, de la chambre, c'est pas pour rien qu'il vient de Dijon. Mais là on n'est pas à Dijon même. Voilà, y a rien, en fait c'est pourri. Attends, on va trouver quelque chose d'autre à Dijon. Fais voir. Dijon. En plein milieu pour voir. Oh, qu'est-ce que c'est? Non! Oh, c'est la place du village, ma couille!
T'es sérieux là? Comment ils ont fait pour amener la caisse ici? Ah non, c'est Pascal, regarde Pascal. Il a amené un trépied. Il prend des photos normales. Attends, mais c'est une photo, ça, c'est bidon. Non, mais Dijon, c'est une belle ville, gros. On va pas pouvoir tailler là. On peut pas tailler, Dijon. On peut pas tester. Ouais, c'est de la merde, Dijon, gros. Ça pue. Argenteuil. C'est full cheater, ça glitch. Charleroi. Grande Sainte Dunkerque. On a déjà fait le nord, gros. Arras, non, non. Moi, je pense qu'on va faire le sud. Le sud. Ça vous dit le sud ou quoi? On fait un petit truc dans le sud, vite fait là. On fait un petit truc dans le sud, vite fait les mecs. On va en Corse. Ah, la Corse, c'est beau gosse la Corse quand même. Malgré qu'ils aiment personne, à part les touristes, bon. Où c'est qu'on peut aller? Moi, j'ai envie de voir du fion. D'identifier la ville par rapport au fion des meufs qu'on va voir, tu vois. Marseille, c'est parti. Marseille, les... Ouh, nice! Ça rigole même pas, gros. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Là, il y a Pascal, là. Comment il déglingue son t-shirt avec un petit aigle et tout, là? Ça, c'est... Alors, voilà. Ça, c'est le sac que tu lootes avec la clé dans H1Z1. Quand tu la mets dans le coffre. Le military backpack. Voilà. Le military backpack de Pascal. Bon, il a l'air un peu bizarre. Lui, c'est pareil. Hein. Lui, c'est comme un ch'ti. Il te croise en soirée, il te croque. Hein. Enfin, comme un Québécois, c'est pareil. En tout cas, il est refait, là. Là, il est nice, là. C'est beau quand même, hein. Franchement, c'est beau. Mais j'ai l'impression que je tombe sur des photos de merde. On va aller dans Marseille même pour vraiment voir du fion, les mecs. Marseille. Ok. Belzunce. Je vais aller dans le quartier Belzunce, la famille. Bouge pas. Ah, voilà! Première meuf qu'on voit, les mecs. Voilà, l'objectif, il s'est pas trompé. J'aurais pu. Je veux dire, quand j'ai mis le petit bonhomme sur la map, j'aurais pu tomber comme ça, tu vois. Non, direct, ça m'a... Voilà. Voilà. Voilà Marseille, quoi. Bon, c'est pas folichon. On va essayer de se mettre comme ça pour voir. Ah merde, c'est pas la même photo. C'est pas au même moment. Du coup, non, c'est mort. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, la dégaine qu'il a, Patrick, là. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, putain? C'est quoi ce punk hippie à chien, quoi? Merci beaucoup, Mika BE. Est-ce que c'est bien Mika 06, 08, 09, 07 qui a fait le donate là? Débarque, tu devrais le faire plus souvent, 10 balles. Merci beaucoup pour ton donate, bitch. Ça fait plaisir. Non, mais elle fait un peu schlagada quand même. Hein. Là, t'as Karim qui est en train de bédave normal. Là, t'as Maurice avec son petit sac. Chut. Quartier Belzunce, poto. Ici, c'est gangsta shit. Hein. Je veux dire, pour un rien, pour un regard de travers, tu te fais violer. Oh, toutes ces caméras là. Oh! Oh non! Oh non! Non, sans déconner. Non, mais attends. On aura tout vu. Tu sais pourquoi, gros? Parce qu'à la base, bon, j'aurais vu un skater, j'aurais dit cool, tout ça. Là, c'est une skateuse. Parce que ce que tu vois, les petits nichons là qui dépassent là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde les petits nichons là. Elle fait du skate. Patricia qui fait du skate, s'il te plaît, à Marseille. C'est une ville de cassos aussi, ça. Oh, nice! Hey, il y a du loot, ça loot sa mère ici. Hein. Je veux dire, il y a du loot. Hein. Il y a du airdrop. Hein. Là, c'est pas 5 euros, là, les mecs. Hein. Ah, ça pèse, hein. Je veux dire, il y a du poids.
Il y a toujours la punk ici. Il y a des gens bizarres quand même. Hein. Là, t'as toujours Pascal qui bédave normal. Et c'est un truc que je voulais voir, c'est le skate. Nice! Regarde-moi ces petits nichons qui traînent là. Qu'est-ce que c'est que ce skater gay chimal là? C'est quoi ces pompes? T'es sérieux là? C'est des. Vas-y. Vas-y, attends, je suis sûr que c'est ça les pompes. Astonic. Tu connais Astonic? C'est la Nike pour les pauvres. Voilà, là j'ai trouvé les mecs. C'est des Astonic, je cherche pas. C'est ça, c'est sûr. Ah mais sérieux, mais monte-moi un free skater, un mec un peu. Tu vois, dans la vibes quoi, un peu de style. Oh le bâtard! C'est quoi ces pompes à lui? Bon bref, c'est bien, on a fait le quartier Belzunes, ça sent l'anus quoi. Alors il y a Jean-Patrick qui m'a dit va en Corse. Ok, on va là en Corse tout de suite. Vas-y, viens, on va en Corse ma couille. On va en Corse tout de suite. Marseille, la Corse, c'est pas très loin, ça devrait pas très très laguer, tu vois, parce que ça te fait laguer Google Maps, les mecs, avec ma petite connexion. C'est où la Corse? Ça, c'est les lignes de comment ça s'appelle? De Go Fast en bateau, voilà. Tu passes par là, tout droit, poteau. Chut. Alors. Où c'est qu'on va en Corse aussi? T'es sérieux là? Tu connais par là, en Corse. Attends, attends. On va faire au pif, vas-y. On va faire un petit rond comme ça, on va lâcher. Il y a l'électricité en Corse en fait là? L'électricité sur. Ah ouais. J'ai pas vu si c'était Mike d'ailleurs 070809 qui a fait le donate. Il a peut-être répondu dans le chat, j'ai pas regardé en fait. Est-ce qu'il a répondu Mike, Mike, Mike? Mike. Non, il a pas répondu dans le chat, je pense. Oh putain, il y a un mec qui vient de follow sur Google Maps quand même. Il y a un mec qui a follow sur Google Maps. Et toi, poteau, t'es énorme. Du jamais vu. C'est quoi ton pseudo? Ton pseudo, c'est SNKOO. Voilà. Tu vas te présenter en 2 minutes, il y a un problème. Non, mais attends, on va trouver autre chose en Corse. On va essayer de trouver une ville. Bon, on va essayer de constater un peu de la meuf. De la schneck. Est-ce qu'il reste des meufs sur le stream là? Non? Il n'y a plus de meufs là? Ils sont toutes parties. Ajaccio, c'est parti. C'est le blazer. Oh putain, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Allez mec, ça a bugué là. Wow. Ça a méga bugué, vénère. Voilà, Ajaccio, vas-y. J'ai follow aussi sur Google Maps. Mais non, les mecs, vous êtes pas sérieux, sérieux. Vas-y, Ajaccio, on va aller où? Vers le musée, la cathédrale. Ici, là, cette rue, elle est énorme. Là, il y a de la chatte, les mecs, c'est sûr. On va voir à quoi ça ressemble vraiment une meuf corse. Donc là, on peut constater. Alors, Chouba 95. Chouba 95 avec très exactement son fils. Devil 95. Oh, voilà, tu vois, le destin, les mecs. Première meuf qu'on voit, on voit. Déjà que c'est stylé, c'est blond, c'est affiné, ça se porte bien, je veux dire, ça se ressent, c'est un ressenti ça. Au premier abord, de loin, tu vois la meuf, tu vois qu'il y a quelque chose, hein. Ça reste des pixels, on est d'accord. Surtout que là, c'est du stream en plus 480p. Mais là, c'est du lourd, voilà, ça c'est, on est bienvenu en Corse, quoi, il y a de la schneck. Oh putain! Une meuf aussi qui conduit en Storcou, normal. Pascal, à Patrick, avec son petit parapluie, on sait jamais. Oula. Alors lui, il est un peu chelou. Game, ok. Alors ça, c'est le. Comment ça s'appelle? C'est le cybercafé de Corse, les mecs.
C'est énorme, game. Oh les bâtards. Comment ils se foutent de votre gueule en fait? Non mais attends, parce que moi c'est Patrick qui m'intrigue. Tu le vois Patrick là? Je le trouve un peu chelou quand même. Fais voir, vas-y recule. Il est où Pascal là? Oh putain, il est plus là. Ok, il est parti. Oh les bâtards! Théma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a 9 bâtards qui sont en train de regarder d'un regard assez vicieux cette demoiselle. Moi je trouve, voilà. Jamais là encore ces mecs, hein. Moi je vous déconseille. Tu vas là-bas, tu finis bouffé par les sangliers, poteau. Ils aiment personne. Je suis sûr, elle là, c'est le meuf de Paname, ça. C'est le meuf de Paname de passage. Elle a traversé le trottoir et s'est fait fumer, je te dis direct. Nouvelle donation de Aztec. Go à OCR salope, 2 balles. Thanks a lot for your donation, my friend. Si tu veux, on peut aller faire un petit tour à OCR, mais il y a plein d'autres endroits à exploiter là. Ça, c'est une Kaira, ça se voit direct. Jogging rouge, gros, c'est au moins Lacoste. C'est sûr, c'est chaud. C'est chaud la Corse, mec. Faut pas y aller, franchement, faut pas y aller. Oh la vieille pub que je vous fais, les mecs. Ouh, maman! Y'a de la schneck ici, là. Oh, ça va, les meufs, elles ont l'air potables, hein. Ok, bon, on va où maintenant? On va où, les mecs? Une région. Oh! Eh, Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, les mecs. Là, c'est sûr, y'a du lourd. Y'a du fermier et tout, là. Oui, venez pas, merci. Pourquoi t'es de Corse, Corxer ou quoi? Genève. Allez, on va faire quoi? On fait Clermont-Ferrand. On fait Auxerre. Et après, on va au Québec. Alors là, c'est sûr qu'il y a du lourd au Québec. Je te dis direct, photo. Alors, on a dit Clermont-Ferrand. C'est où ça? En dessous de Montluçon, c'est sûr. Là, c'est là. Clermont-Ferrand, gros. Là, il va y avoir des trucs bizarres. Va, Gignac. Gignac, c'est dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Je vous le rappelle les mecs, je vais à Montpellier ce week-end, s'il y a des viewers qui veulent passer me voir ou quoi vite fait, voilà. Vous le savez. Alors, Clermont-Ferrand, putain je l'ai perdu. C'est là, ok. C'est les quartiers ou quoi? C'est le Tchécar, gros, c'est le Tchécar ici, wesh. Je suis sûr Google Maps, ils ont même pas passé là-bas. Tu paries? Voilà. Ah si, putain, je suis mauvaise langue. C'est Centre Jaude, à côté de deux parcs, vas-y, on va voir. Voir s'il y a de la schneck les mecs. Ok, ça marche pas, normal. Ok, on y est. Oh, nice. Oh putain, déjà. Quoi? Non. Il y a une Renoir à Clermont-Ferrand, c'est sérieux ça? Je veux dire, il y a une Renoir qui s'est perdue à Clermont-Ferrand, quoi. Et là, regarde, quand même, je suis tombé sur cette meuf direct. Ça, c'est un signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à exploiter à Clermont-Ferrand. Il y a de la chatte, les mecs, il y a de la chatte. Faut y aller en vacances. Genre l'été, non, c'est pas le sud de Perpignan, tout ça, pour Barcarès. Tu vas à Clermont-Ferrand, gros. Théma, une meuf un peu bizarre. Un punk avec un yinche. Une meuf qui a remonté son froc jusqu'au nombril. Mais là-dessous, là. Là, ça sent le nem, poteau, là. Là, ça sent l'huître gratinée. Ça sent quelque chose de très très bon. Ça se voit direct, regarde son sac. Son sac, c'est au moins un Burberry à 200 euros. Ça se voit, regarde comme il est stylé. Sa capatate à l'ancienne. Regarde la dégaine de Patrick derrière avec son vieux short. Avec des flammes dessus et tout le bâtard. Oh putain. Là, il y a du poids quand même. Bon, on s'en bat les couilles, les mecs. Ça veut rien dire, le physique, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est des loubars, ça. Ça, c'est des loubars, je te dis direct. Voilà, regarde le petit dragon sur l'épaule, cousin. Là, ça veut dire c'est chaud. Là, ça veut dire m'approche pas, je t'allume ta gueule. Là, la meuf, regarde, direct, elle se gratte la tête, elle s'est mise devant la voiture. Non, c'est mort, je vous laisse passer. Non, je te laisse passer, poteau. Ça, c'est la Kaira de Clermont-Ferrand. 1m10, serpent sur l'épaule, t'oublies direct. Voilà. Et là, t'as le mec friendly. Ça, c'est le mec friendly de Clermont-Ferrand, ça. Le mec passe partout. Regarde-moi cette dégaine. Et si ça se trouve, le mec, là, il est sur le stream. Il est en train de taper une barre. Il doit dire, oh, non, Théma. Il doit dire, Théma, cet enculé est en train de me tailler normal.
Regarde la meuf, comment elle est toute white. Ça, c'est la meuf à white. Tu connais White 2512 sur Twitch TV? C'est sûr, c'est sa meuf ou c'est sa russe. Voilà, lui, les gangsta shit. Elle hésite toujours, elle est devant la caisse, elle sait pas. Y'a un mec qui m'a dit go au bois de Boulogne. Franchement, on y va tout de suite, poto. Très bonne initiative. On va au bois de Boulogne, les mecs. Je vais vous faire une visite guidée, je connais très bien les lieux. Non, mais le prenez pas mal si j'offense un peu votre région, les mecs. On tape une barre, on essaie de passer le temps là. On essaie de passer le temps, les mecs. Au bout d'un moment, on se fait chier, on se fait chier la bite. On attend H1Z1, j'avais dit je partais à 2h. Après, j'ai dit 2h30. Après, j'ai ouvert deux cobblestone à 140 € par votre faute. Et là, je suis sur Google Maps. T'imagines ma soirée, comment elle est pourrie ou quoi? Non? Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Au final, t'as le mec, il est sur Google Maps, il sait pas pourquoi. La soirée de merde. Bon, alors on a dit bois de Boulogne, vas-y. Ah, nice. Boulogne. Bois de Boulogne. Ouh. Vous savez quand même, pour la petite anecdote, que je suis arrivé. Quand je suis arrivé sur Paname, genre les premiers mois, il y a un mec qui m'a dit quoi? Oh, ma couille, viens, et on va au bois de Boulogne, je vais te montrer un peu à quoi ça ressemble et tout. On partait de Noisy-le-Grand. Noisy-le-Sec, pardon. Bref, on arrive là-bas, on fait genre 30, 40 minutes, 30 minutes de Gova et tout. On commence à regarder, mon pote, il fait, oh, t'es moi je connais et tout, nanani. Souvent, je leur klaxonne et tout, on leur crache dessus, on les insulte et tout. Bref. 2 minutes qu'on était dans le bois de Boulogne, chut, les keufs. Oh putain, bâtard. Bas côté, tout ça, obligé de négocier. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes sérieux et tout? Oh le bâtard! On s'est fait serrer par les Schmitt. Oh non, horrible. Enfin, une anecdote pourrie, mais bon, ça restera gravé à jamais dans ma tête. C'est la première fois que j'y allais, c'était super. Bon alors, est-ce qu'il y a une voiture qui est passée en plein milieu du bois de Boulogne pour voir un peu à quoi ça ressemble? Je vais me faire bannir de Twitch avec vos conneries, les mecs. Allez, les mecs, là, voilà. Oh! Ils sont passés partout à l'intérieur, ces bâtards. Coucou! Coucou! Tu veux voir ma bite? Voilà, voilà. Bienvenue au bois de Boulogne, les mecs. Y a pas de problème, on va traîner vite fait par là, quoi. Apparemment, alors apparemment, ils auraient embauché de la chambre pour faire le circuit du bois de Boulogne à pied avec une caméra sur la gueule. Voilà. Apparemment, c'est de la chambre qui s'est coltiné la mission. Apparemment, il s'est fait un peu taper dans le boule comme ça, mais bon, il a fait des belles photos, c'est bien. Merci beaucoup de la chambre. Ok les mecs, parce que là vous avez quand même vu que je vois quelque chose au fond là. Là regarde là, tiens. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, on va aller voir quand même, on va aller voir. Je vais avancer un peu vite fait là, tranquille. Attention, je vais avancer. Je vais rouler une clope avant parce que je suis pas sûr qu'on va voir des belles choses. Non mais il y a quand même 400 viewers sur une expédition Google Maps à 3h du mat. Au bois de Boulogne, c'est quoi ce putain de délire? Vous êtes sérieux les mecs? Vous êtes sérieux que il y a 300 personnes, il y a 400 personnes qui préfèrent regarder du Google Maps de merde plutôt d'aller voir un mec jouer? C'est quoi ce délire? Expliquez-moi. Je comprends pas. Parce qu'au bout d'un moment là, je fais du Google Maps, je me suis dit tout le monde va partir, c'est bien, je me casse au lit. La soirée elle est terminée. Non, plus je stream du Google Maps, plus il y a de personnes. Au bout d'un moment, je sais plus. De toute façon, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Vous m'avez saoulé, les mecs. Vous m'avez saoulé, franchement. Je sais pas quoi dire. En plus, il y a une meuf sur le chat. Hein. Les mecs, il y a une meuf à serrer sur le chat. Elle est encore free. Voilà, parce que toutes les autres, elles se sont fait serrer par des subs. Voilà. Parce qu'ici, à partir du moment où t'es subscriber, tu peux serrer des meufs. Elle s'appelle Chey Fake. Avec underscore à la fin, un petit trait là, tout ça. C'est une meuf à. Voilà, une meuf à serrer sur le chat chez Fake. Eric, raconte-nous tes anecdotes. White 212. J'ai rien à dire, poteau. En tout cas, plus ça va là, plus il y a de viewers. Et plus il est tard, je comprends pas, expliquez-moi.
Vous êtes des oufs, ma parole, vous êtes des oufs. Et là, à ce moment-là, t'as un modérateur de Twitch TV qui passe sur mon stream. Un français, bien évidemment, il me dit, mais c'est quoi ton délire, cousin? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton délire? Qu'est-ce que tu fais? Tu stream Google Maps, c'est quoi ton délire? Oh putain! Sérieux, vous... Ouais, vas-y. Je sais pas quoi dire, je crois que je vais vraiment pas tarder à partir. Là, vous me rendez fou, vous me rendez fou. À force de parler, faut que je boive un peu quand même, les mecs. Bon, vous voulez pas. Ah, je rigole, les mecs. Laissez-la tranquille, Shayfake, la pauvre. La harcelez pas comme ça, là, bon. Si vous voulez, ce qu'on peut faire, c'est que je l'appelle. Voilà, elle vient à la maison. On boit un petit café, on fait un petit scrabble à l'ancienne. Un petit strip poker, tout ça. Puis après, bon, je vous fais la passe. Voilà, je vous le... Voilà, de Shayfake, je vous la conseille. Donc, bon. Voilà. Oh, putain! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le bâtard! Oh le bâtard! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! On me dit à l'oreillette. On me dit à l'oreillette. Que ça pourrait peut-être être le père de le sanguinaire. Voilà. On me dit que c'est le père à le sanguinaire. Est-ce que c'est vrai le sanguinaire? Est-ce que tu reconnais papa là-dedans là, non? Putain, mais c'est un keuf ou quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi ça? T'es qui toi? Pourquoi tu le regardes comme ça? Qu'est-ce que c'est? A mon avis, ça c'est les sacoches de survie comme sur H1Z1, ça non? Ou sur DZ là non? Qu'est-ce qu'il y a? A mon avis, c'est les sacs de capote. J'ai fait qu'elle s'est barrée, les mecs, arrêtez de. Bon. Arrêtez de la harceler quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, les mecs? Qu'est-ce que. Quelqu'un peut me décrire qui c'est? Qu'est-ce que c'est? Attends, j'avance tranquille. Ouh, nice! Ah non, on dirait vraiment une meuf, hein. Elle a été floutée par contre. Là, t'as toujours Sabrina qui check, elle dit, mais wesh, c'est quoi ton délire? C'est quoi, c'est un homme, c'est une femme, c'est qui? Est-ce que c'est vraiment le daron à le sanguinaire? Je le reconnais pas, je connais son fils, il est sur Twitch, il va finir gay, tout ça, bon. Bon, ça pue, on a vu deux personnes, ça c'est sûr, c'est une meuf, et elle, sa vie, elle est pourrie. Oh, nice! Oh. Pelouse au repos, qu'est-ce que c'est? C'est qu'elle est stressée la meuf là. Bon, c'est de la merde, on va s'avancer un peu peut-être dans le parc à pied, tranquillement, vu que c'est de la chambre qui a filmé. Elle a dû se faire taper dans l'os par là, par ici, là. C'est pour ça que les photos, des fois, il y a un peu plus de soleil ou un peu plus d'ombre, parce que des fois, il se faisait serrer par des trans, il se faisait taper dans le cul, et il reprenait le travail. Du coup, donc des fois, il fait soleil, des fois, il pleut et tout, des fois, il s'est fait séquestrer 2-3 jours. Donc après c'est bon, il neige et tout. Hein. Il est resté une paire de temps là-dedans. Hein. Il s'est fait motoculter quoi. Hein. Il s'est fait taper dedans. Bon, c'est comme ça. Allez, on va avancer par là. Non mais c'est sérieux ça? Attends, il y a un parc pour enfants, pour les gosses, dans le bois de Boulogne. C'est sérieux. Ça veut dire que là, à tout moment. À tout moment là, ouais, donc à tout moment, Necran 68 et Heroes Wage, les deux jebebs du chat qui ont eu un enfant ensemble, ils ont laissé partir Jean-Pascal, leur fils adoptif, dans ce parc ici là, ok. À tout moment, le fils il peut se faire cardiaquer par une prostituée chimale ici, il se fait taper dans l'os quoi. Je veux dire, tu ramènes ton fils ici dans le bois de Boulogne, t'es mort quoi. C'est fini, ta vie elle est finie. Tu perds ton gamin, apparemment 8 litres de sperme dans l'anus, tout, enfin un cauchemar. Le tio il faisait 20 kilos, il en fait 28. Hein. Bon. Allez, on s'en bat les couilles, on avance là-bas, on va là-bas, les mecs, dans la ruelle là-bas. De la chambre, il s'est fait taper dans l'oignon ici. Là. Alors, ça, c'est tous les PD qui se guérent ici. Parce qu'apparemment, dans le bois, juste un peu plus loin, là, il y a une caverne. Une caverne de gays. Apparemment, quand tu marches, il y a plus de pelouse, il y a plus rien, c'est des capotes. Tu marches sur des capotes là-bas au fond. Et là, je reconnais bel et bien la voiture à très exactement Mickey 92. Parce que Mickey, il habite à côté. Tu connais Mickey, celui qui fait du beatbox là?
Remix. Apparemment, elle habite à côté. Apparemment, là, je reconnais sa voiture. Mickey, qu'est-ce que tu branles au bois de Boulogne? T'es sérieux, là? Qu'est-ce que tu foutais là-bas, gros? C'est quoi ton délire? C'est pour ça que t'as une voix un peu aiguë, Mickey. Tu t'es fait motoculter? Ben, je sais, franchement, dis-le. Moi, je t'en voudrais pas, gros. En tout cas, Google Maps Simulator, c'est pas mal, hein. Bon, allez, je me casse du bois de Boulogne. Je vois pas transsexuel. Par contre, je vais vite faire les grands axes de bois de Boulogne. Parce que là, t'as l'intérieur, c'est mort. Bois de Boulogne, on va faire. Alors, attends, périph. Non. On va faire. Attends. C'est là. On va faire cette route, là. Voilà. C'est réellement ici le soir où t'as moyen de te faire taper dans le cul, hein. Nouvelle donation de la chambre FR, t'en fais un beau de PD enculé, 2 balles. Il est deg. Simer en tout cas pour le donner de Gjo. Nah, honnêtement, voilà, c'est ici que ça pue la merde quand tu circules ici. Parce que là, tu roules. Alors aussi, pour toutes les personnes qui veulent faire une petite expérience du bois de Boulogne à pied la nuit, franchement, hey, je vous jure, c'est super gangsta. À tout moment, tu jettes une pierre sur un travelot. Où tu y craches dessus, tu te fais courser, mais comme un fils de pute. Hein. Et ça, c'est pas une blague. Faut faire bel avec les mecs. Hein. Tu te fais vite fait taper dans le cul là-bas. Faut pas faire de. Bon, pas de conneries. Hein. Donc là, y a rien, y a personne. Je suis sûr qu'il y a moyen de trouver un vieux trans à l'ancienne qui traîne dans un bois ici. Là. C'est dans les rues comme ça, les rues principales où tu vois tous les PD. Ils sont un peu plus dans le bois, genre ils sont juste là, tu vois, derrière le sapin. Derrière la pinette, poteau. Voilà. Là ici, tu peux être sûr, certain, qu'il y a néant bleu du chat qui traîne en porte-jartel, quoi. Voilà. Avec une paire de chaussettes dans un soutif. Enfin, il te voit et ton cul de tarasse. Hein. Oh putain, qu'est-ce que c'est? En journée, c'est rare de voir des travelots. Et là, on va voir qui? On va voir très exactement. Pardon. On va voir Enco94 ici, là, ici présent, avec son sac de capote. Il sort du bois de Boulogne, il est tout gaze. Il envoie un petit texto à son pote. Je lui dis, écoute, je me suis fait taper dans l'os, c'était super. Voilà, on se casse. Il y en a un qui voulait absolument voir Auxerre, on va aller voir. Et bon, Auxerre, c'est un peu pourri, quoi, Auxerre, non? Auxerre, c'est là. Tonnerre, Chablis. Qu'est-ce que tu veux voir, Auxerre, gros? Tu veux qu'on aille voir si les meufs sont bonnes ou quoi? Franchement, on y va. Vas-y. On va voir si les meufs sont bonnes, hein, Auxerre, gros. T'insistes. Non, mais là, ça bug, là. Voilà, on y est. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, nice! Oh, le streaming lag. Ah, mais je télécharge un truc ou quoi, là? C'est pas possible. C'est où? Attends, Steam... Je crois que je télécharge, les gars. Attends, il voulait voir Auxerre. On va voir. C'est quoi ce truc de karting de Jackie, là? Auxerre, ça bug, gros. Apparemment, il veut pas, le truc, là. Musée, vas-y. On va voir à quoi ça ressemble une meuf à Auxerre, les mecs. On va se mettre là, dans le croisement, là, ici. Tac. Oh, putain! La première meuf que je vois, c'est nice, quand même, hein. Une vieille babtou qui promène son yinche, il n'y a personne d'autre. Elle est toute seule. Ok, il y a son père. C'est la ville, vraiment, ça sent l'anus, mais complet ici, quoi. Je vais avancer un peu en centre-ville, là. Voilà, ici, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a personne, gros, c'est désert. Ça sent l'anus, mais complet ici, gros. Désolé, il y a quelques lags sur le stream, je suis désolé. Oh, nice. Oh!
Oh, il y a du gros tarba là. Tu vois ce que je veux dire ou pas là? Là, il y a moyen de faire quelque chose ici là. Il y a de la milf, il y a de la milf les mecs. Oh là là! Je regrette pas d'être venu à Auxerre, poteau. Les mecs s'envoient du lourd là. Là, s'envoient du steak. Ça, c'est bon pour Naiju. Voilà, Naiju, il voit ça. 14 ans, 16 ans, pas plus. Hein. Tant qu'il y a du duvet, c'est toléré. Au-delà de 16 ans, ça commence à être du poil un peu noir. Et non, c'est mort. Pour Naiju, c'est mort, t'oublies. Je te dis direct. Là, c'est bon. Là, 14-16 ans, gros. Il est dur. Là, il tape dedans. Là. Allez, c'est bien. Auxerre, c'est du lourd. Il y a de la schneck, les mecs. Alors, on a dit quoi? Montréal. Allez. Montréal. Montréal, est-ce que ça se dit Montréal? Non? Montréal. T'es sérieux là? Montréal, c'est une île ou quoi là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh tabernacle, qu'est-ce que c'est que ça là? Montréal, Outremont. Là, il y a de la schneck, les mecs, je connais Outremont. Oh! Voyons voir. Outremont. Ici là. Chemin de la côte. De la côte de Sainte-Catherine. Allez, fais voir. Ok. Wow, wow, wow. Nouvelle donation des Rose Rage FR. On va jouer dans le parc avec notre fils de balle. Le con. Merci pour le donner, gros. Le con. Non, mais sérieux, jamais. Hey, ne jamais amener son fiston. C'est un jour, t'es un gamin, tu l'amènes jamais au bois de Boulogne. N'importe qui, je te dis direct. T'es sûr que. Non. T'es sûr qu'il prend 20 kilos. Il prend 20 kilos de cyprine, hein. Bon. C'est quoi ces maisons bizarres, là? De toute façon, il n'y a que des riches à Montréal, c'est sûr, ça se voit direct, photo. Regarde ça, là. 4x4 de ouf. Lamborghini Diablo. Ah non, oublie. Ah, il y a des belles maisons en tout cas. Camion très à l'américaine, ça. Oh. Non, non, c'est ça pue cette rue. Pourtant, je suis dans plein centre-ville là, je comprends pas. Attends, on va chercher une autre rue là, c'est pourri. Outremont. Voilà, là, c'est des tacs ici là. Nouvelle donation de la chambre FR. N'empêche, il y a moyen de casser du cul au bois de Boulogne. Ah bah ça c'est sûr. Mais bon, franchement, hey, je mets 1000 euros. Tout de suite là, je te mets 1000 euros. Que je te pose au bois de Boulogne. Un dimanche soir, gros. À 2h du mat. Tu me supplies, tu me suces la bite pour que je te reprenne en véhicule. Tu cours ta race. Comme dans H1Z1, tu vois le... Non, je te jure, c'est pas moi. Friendly. Voilà, tu fais friendly. Moi aussi, je suis pédé. Je vais pas me faire enculer. Voilà, non. C'est sûr de la chambre. Tu veux te faire casser le boule, mais je suis sûr que je te pose, c'est mort. Tu te fais pas casser le boule. Tu cours ta race, gros. Tu trébuches, t'es mort. Tu trébuches, t'es fini, gros. T'es un mec fini. T'es fini. T'es fini à la pisse aussi. T'es fini à la pisse si tu trébuches. Ils te pissent dessus et tout, ces bâtards. Ils te font des trucs salaces. Voilà, bon, bienvenue au Québec. Il y a rien. Apparemment, il y a Moïse ici. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters. Something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters. Est-ce que Modo peut débannir Sweet D1, please? Un mec du Québec, apparemment, débonne-moi et va voir la ferme à Cheb. Je me souviens pas t'avoir banni. Je sais pas qui t'a banni. Voilà. Y a personne, gros, c'est désert. Apparemment, ici, c'est des gens, ils sont pas très sociables. Ici, ça sent l'anus. Ouh, nice! T'es sérieux qu'au Québec, y a du soleil et tout, des fois, il fait chaud et tout. Et des mecs normaux, ils sont en stercou à poil, quoi. En t-shirt, gros, ils sont en t-shirt normal. Oh maman! Jeff Norris! Ah ouais, tu t'en fais pas au Québec, salope! Hein. Mate-moi les petites meufs qui serrent là! Mmh.
c'est du lourd ça. Là, il y a du lourd, que je veux dire, il y a du potentiel quoi. Il y a des bras comme as, tiens, comme as là. Mais il y a des cuisses comme as quoi. Bon, elle est un peu disproportionnée, ma vie. Petit poney, petit poney. Tu es tout gris, tout petit, petit poney. Petit poney, petit poney. Petit poney. Tu es tout gris. Je vais rester un peu au Québec. Parce qu'en fait, je vous explique, il y a peut-être moyen que j'y aille bientôt là. Donc je vais tâter un peu le terrain. On va regarder un peu à quoi ça ressemble. Les gens Kevin comme ça là. Comme Chubb Norris. Je suis sûr que c'est Chubb ça. Il veut pas le dire mais c'est Chubb là ici là. Ah mais ça c'est une meuf non. T'es moi il y a des cheveux longs et tout. Ah non il y a pas de sein, c'est un mec. Ouais, nouvelle version de JBS Mog, go check Amsterdam, le quartier rouge, ma couille 4 balles. Pardon, merci beaucoup pour ton donate. On va peut-être aller voir ça vite fait avant de partir. Nouvelle donation de la chambre. Quand tu prends cher dans le cul, tu cours vite, je pense. Non, moi je pense pas. Non, non, mais non. Quand tu prends cher dans le cul de la chambre, ça veut dire que t'as trébuché. T'as fait le mec friendly, ils t'ont pas cru. Ils t'ont couché au sol. Et puis tu t'es fait taper dans l'os. Donc tu cours pas vite parce que t'es couché et tu te fais taper dans l'os. C'est ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas faire les deux en même temps. Tu peux pas te faire taper dans l'os et partir en courant. Au bout d'un moment, faut être logique. T'es ça, putain. Bon, ok. Vas-y, on va continuer dans cette rue. Oh putain, qu'est-ce que c'est? Chubb, tu nous as caché des trucs sur le Québec là. Là, apparemment, il y a une meuf de ouf. Oh maman! Oh my friend! Friendly! Oula, ça c'est un zombie ça! Ça c'est un PNJ de la chaîne Z1 les mecs! Ça c'est un zombie, ça se voit direct! Regarde la pose de sa main quand elle marche! Là je veux dire, il y a Anguille sous roche! Il y a quelque chose de. Il y a quelque chose de bizarre là! Regarde sa tenue! C'est une semi-rousse, très très white à lunettes, avec la main semi-bizarre. Apparemment, on veut pas voir la marque de son jean, c'est flouté, c'est mort. Et des pompes, des ballerines du ghetto. C'est-à-dire, c'est des ballerines que, voilà, ça, on portait ça en France en 1718. Tu te fous de ma gueule ou quoi, Chum Norris? C'est ça le Québec? Tu veux venir me faire venir au Québec pour voir des. Mais t'es sérieux là? Regarde la pose du zombie là. Oh le bâtard! Regarde, parce qu'il y a Pascal à côté là, tu le vois? Oh putain, je le vois plus. Il a disparu. Il n'y a plus personne. Bon, attends, je vais trouver un autre truc au Québec. Vraiment le centre-ville. Le centre historique. Ou sinon, il y a le parc. Il y a peut-être moyen de voir des enfants de 14 ans pour Naiju. Alors. Le parc de la Fontaine, les mecs. Apparemment, on peut s'avancer en voiture jusqu'à là. Nice. Oh putain. Oh putain, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Le parc de la Fontaine, c'est mort. Attends. Tac. On va se mettre juste à côté, dans l'avenue, dans l'angle, ici, là, voilà, à côté de la rue qui s'appelle Rachel, E, A-Z. Ouh, nice! Super personne, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu penses à ce que je pense ou pas, là, non? Attends, mais il y a des gens chelous. Et l'autre, il s'est sucé normal dans le parc par son chien, quoi. Chubb, ça dit quoi, là? Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Dis-moi, je sais pas, je sais pas. Dis-moi quelque chose par rapport à ça. Tu trouves ça normal, toi? Qu'est-ce qu'il fait Jean-Patrick avec son hinche, là? Ooh, nice. Look this room, my friend. We have to see... This fucking bitch right now. Ah bah elle est plus là, elle est partie. Attends parce qu'il faut que je revienne là-bas dans cette rue là. Ah bah non elle est là la bitch. Non c'est deux mecs, je suis dégueu. Oh putain. Oh putain, j'ai vu deux mecs, j'ai cru que c'était une meuf. C'est quelle heure? 3h30, faut que je m'arrache les mecs. Demain à 10h m'a mis de me réveiller, faut que j'aille chercher les courses, je vais pas être très frais de toute façon. Bon. Tu crois qu'il est friendly lui là? En tout cas il est chauve. Il est chauve comme moi, c'est la famille ça gros.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ouh! Oh putain! Oh putain! Bon, Chubb, dis-nous quelque chose sur la situation, s'il te plaît. Est-ce que tu penses qu'il est friendly, Pascal, là? Est-ce que Pascal est friendly d'après toi? Qu'est-ce qui se passe là? Et c'est quoi son délire? Qu'est-ce qui s'organise là? Qu'est-ce qui s'organise, Job? Qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qui branle, Patrick là? Le chien est flouté, j'avoue, ils sont sérieux les gens. Bon, attends, parce que là, regardez bien au loin. Est-ce que tu vois ce petit cul qui court là, gros? Non? Là, c'est ça, c'est le concret. C'est ça qu'on veut voir, c'est la schneck, l'huître gratinée, le gratin de schneck du Québec. Voilà, c'est ça le principal. Attention, on y va. Ouh, nice, elle a disparu. T'es sérieux qu'elle a disparu? Oh putain, elle est là-bas. Tu sais qu'elle court vite, mamie. Oh non, il y a le poteau, bande de bâtards. Ooh, nice. What the fuck is that, my friend? Ooh, nice, Job. Et là, ça dit quoi, Job? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Est-ce que tu la connais? Parce que moi, si je vais en Québec, c'est pour voir madame. Je vais ouvrir la liste des viewers. J'ai peur qu'il y ait un admin quand même qui soit présent à un modo de Twitch. Non, non, il n'y a personne. Il y a une paire de personnes quand même qui sont là en sous-marin et disent rien. Les gars, c'est quoi votre délire? Vous tapez des barres ou quoi, les gars? Qu'est-ce que c'est? Théâtre de verdure. Oh, nice. Oh, maman, tu es nourrice. Salut, Berto. Félicitations pour ton 48 heures. Bon, il y a du lourd ici. Attends, il y a un skater là, non? Non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh le bâtard! Oh le bâtard! Oh le bâtard quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que tu vois ce que je veux dire là? Chubb, c'est toi ou quoi? Chubb, je suis sûr c'est toi, bâtard. T'es sérieux, Chubb, là? Oh non. Oh non. Chubb, quoi, putain. Franchement, t'es claquette, poteau, Psartek. Hein. Hey. T'es claquette, t'as déglingue. Ça, c'est pareil. Ça, c'est du temps de Louis XIV qu'on avait ça en France. Attends, ça vient tout juste d'arriver chez toi au Québec. T'es sérieux, là? Comment je te démasque normal? Oh le PD! Il faut que je fasse un peu plus de Google Maps, je pense, les sorts. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, je vais mettre juste derrière pour voir qu'est-ce que ça donne. Faut regarder le popotin, les mecs là. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oh, bah oui, tu peux faire du vélo, Bugs Bunny. Vas-y, pédale ta race, pédale, putain. Oh, regarde le petit boule là, le petit boule rouge. Tu vois le petit boule rouge là? Est-ce que tu vois le petit boule rouge bien cambré comme ça là? Le Québec, ça a l'air pas mal, les mecs. Chubb, tu peux m'héberger quand? C'est quand que tu m'héberges, Chubb? Faut qu'on discute. Ouais, c'est pas si sans sas que ça. Hein. Franchement, gros, tranquille. Non, je préfère pas venir parce que, en fait, j'ai un tournoi de ping-pong. Non, je peux pas là. Je peux pas venir. Je peux pas venir. Je suis désolé. Ouh, nice! Ah, tu sais qu'il y a voilà la schneck qui fait du vélo, gros, ici. T'es mal, il y a que de la schneck. Elles sont en vélib, en plus.
Oh là 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 là! Oh le bâtard! T'es sérieux là? Eh chum, franchement, en gros, je suis dispo pour. Vas-y, c'est quand les dates? C'est quand que je peux venir, gros? Bon, en fait, je suis dispo bientôt là. J'ai trop envie de faire du Vélib. Go la rue Sainte-Catherine. Ok. Oh putain! Oh, ça sent la schneck là-dedans là. Ouais. Oh nice, y'a des beaux graphes là, qu'est-ce que c'est? Y'a personne là? T'es sérieux, Chuck Norris là? C'est peut-être là-bas au fond qu'il faut que j'aille, non? C'est le centre-ville. J'y suis dans ta rue, y'a rien là, t'es sérieux là? C'est quoi cette vieille rue, Chubb, là? Va vers l'est. Je vais vers l'est ou pas, là? Attends, j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé un détail, là. La rue Sainte-Catherine, j'y suis. Faut que j'aille vers la plage, alors. Merde, j'ai perdu la rue. C'est où, Job, là? Elle est où, la rue Sainte-Catherine, putain de merde? C'est ça, oui, et alors? Rue du Port, y'a pas une plage, là-bas, là? Oh là là, il me casse les couilles, Cygnus, à chaque fois, il lance un jeu, je peux pas prendre le truc. Ah, nice. Putain... C'est où là? Ça sent pas trop la schneck dans cette rue, gros là. Peut-être ici là, non? Rue Sainte-Catherine, voilà. A mon avis, c'est un truc. Bon, là on est bien là, regarde bien. Attention, je suis sûr ça sent la schneck jusqu'à la mort. Attention! Ici là, dans l'angle. Ok, nice. C'est tout pourri. Attends, il y a quelque chose. Il y a quand même quelque chose à exploiter là. Là, il y a Jean Bugs Bunny, gros. Ooh, nice. Oh, c'est du lourd. Je mets des musiques bizarres, les mecs, on s'en bat les couilles. Ok, donc on a vu Jean-Patrick. Allez, on va faire une dernière recherche, les mecs. On va très exactement aller au quartier rouge. Oh putain! Hôtel d'Amsterdam, ok. De toute façon, c'est tous les ponts comme ça où il y a des bordels, mais je sais pas où. Sur la micro-île. Je pense que c'est ici. Hein. C'est ici, les mecs. On va mettre un truc. Attention, attention, les mecs. Attention, les yeux. Oh putain, il y a des vitrines. Bah, bonjour, madame! Putain, c'est pas la bonne rue. C'est pas la bonne rue, les mecs. Oh, nice. Alors voilà. Voilà. Là, tu as donc Jean-Patrick,
qui arrive avec, avec Bernadette pour un petit week-end tranquille à Amsterdam. Ok ? Jean-Patrick est amoureux, il est content. Il va s'avancer un peu dans la rue là-bas au fond, tout au fond là-bas. Il va passer devant des vitrines un peu olé olé. Il va laisser sa femme sur place, il va dire vas-y, tu sais quoi, nique ta race. Il va rentrer dans une vitrine et c'est fini, le couple terminé. Voilà, HS. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Je pense qu'avec en fait, ça fait un effet d'optique avec l'angle de la caméra du Google Maps là. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un problème de proportion. C'est pas bien de se moquer parce qu'il est costaud, les mecs. C'est pas ça, moi. C'est vraiment le contraste petit, grand, gros que je suis bon. Alors, attends. Oh putain. On est où là? Ça marche pas la recherche là, sur ta rue là. Bon allez, je regarde une dernière fois là dans cette rue là. La rue s'appelle Madame quelque chose là. Vas-y. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, je suis au où là? T'es sérieux là? Regardez les gens, Kevin. C'est quoi ce vieux musée? Bon, honnêtement, les mecs célibataires à Amsterdam, tu peux me croire que je suis pas là-dedans, je suis pas dans un musée. Je suis peut-être avec elle là dans les WC, mais sinon tranquille. Ah ouais, je reconnais. Oh le bâtard! Oh non, je vais me faire bannir de Twitch, les mecs. Je le mets vite fait à gauche là. Tu le vois à gauche là? Oh, comme c'est. Regarde la voie ferrée comme elle déchire. Oh nice! Regarde, regarde. Wow! Bon, allez, on arrête, les mecs. Je vais me faire bannir, sérieux.